Il faut s'arrêter, vite! Qu'est-ce qui se passe, Luigi? Je vois quelque chose qui est en train, je sais pas quoi là, un truc gros! Il y a un truc qui nous empêche d'avancer là? Enfin oui! Et tu sais ce que c'est ou pas Laisse-moi voir! Ouais? Ah, je sais pas, c'est un truc gris! Un truc gris? Bah moi Avec d'ici. un D'ici, je truc vois que presque rien du tu... tout. Mario, toi, tu vois quelque chose? Attends, je vais voir. Tu vois quelque chose d'ici? Non, je Il y vois a un rien, truc mais je vert. crois que tu es hallucination. Ouais, bah attends, tu sais Venez quoi? voir. On va monter, viens, viens Mario, on va monter pour voir, pour mieux voir. Allez. Bonne idée. C'est parti, j'espère que Luigi, t'as pas des problèmes de vue, hein. J'ai pas de Aïe! problème de vue. Bah, Mario, pourquoi tu me tapes? C'est une petite blagounette. Ouais, une petite blagounette, j'ai perdu toute ma vie, hein. Bon, allez, pousse-toi de En là, Luigi. face, Hop, là-bas. je vais essayer de voir s'il y a quelque chose et... Oh, mais attends, mais... Effectivement, mais ce serait pas le Bloop! Mais ça m'a l'air comme ça. Oh, Mario, viens voir, viens voir! Regarde! Je Et... vois, je vois. C'est bien le Bloop, là, non? Oui. Ça a l'air, ça a l'air. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait ici? Pourquoi il nous suit? Je pense Je sais qu'il va pas, nous faut savoir où suivre. on habite. Ah, mais c'est vrai! Parce que là, on est vraiment à 5 heures de chez nous et il veut nous suivre pour savoir où est-ce qu'on habite et ainsi continuer à nous embêter! Mais Ça doit oui. être ça, ça doit être ça. Oh. Oui, totalement. Et oui, c'est clair. Mais attendez, on peut pas le laisser faire ça. Il va falloir faire quelque chose. Est-ce que vous avez une idée de comment on pourrait le semer? J'ai une idée. Oh. Ouais, on pourrait y aller plus vite, non? Bah non, le bateau il va pas assez vite, hein. Il va que même pas 10 km à l'heure. Ah mais c'est vrai, c'est pas une Ferrari qu'on a. Le bateau il va jusqu'à combien de kilomètres-heure, Mario? Attends, je vais te Alors dire. actuellement, en fait, les vitesses de bateau se calculent en nœuds, donc je sais pas combien ça fait, mais on va environ 15 nœuds. Euh, Je donc, sais. donc ça fait à peu près 20 km-heure quoi. C'est pas très rapide. Ouais, c'est vraiment pas très rapide. Même moi je cours plus vite quoi en fait. C'est ça, exactement. Même les bloops, ils nous suivent plus, beaucoup plus rapidement que Et nous. en plus les bloops ils courent. Enfin, ils courent à combien de kilomètres-heure? À Attends, 300? je vais googler. Où ils courent à 400 km à l'heure. 400 km-heure! Mais attends, mais Oui. ils sont bien bien rapides, ils sont plus rapides qu'une voiture! Ouais. Oh. Même la voiture la plus rapide, ils les battent. Ah ouais, non mais c'est vraiment un truc de ouf! Bon, du coup, bah là, il y a pas vraiment de solution. Est-ce que vous avez pas une petite idée de génie là? Je suis Oui, à il y a une bout. île ici. Oui, il y a une île, mais tu veux qu'on fasse quoi dans l'île? Attends 2 secondes. Oui! Wow. Il est mort! Non, non, il est pas mort, Il est il est pas mort. pas mort! Il a Il directement s'est sauté dans l'eau. réinventé. Ouais. Ah. Mais du coup, vous voulez faire quoi là? Parce que là, il y a les bloops qui nous suivent et ils savent pas encore qu'on les a cramés. Bon, allez, Ben, il les faudrait les piéger. parler. Les piéger? Mais comment tu veux les piéger? T'as vu la taille du bloop? Regarde comment il est énorme! Il est Ben, super gros! on n'a qu'à faire un piège encore plus gros que le bloop. Bah. Mais ouais! Bah comment? Parce que regarde, il est dans l'eau. Et en plus, il se déplace vraiment rapidement et j'ai l'impression qu'il est pas tout seul. Regarde, il est pas avec son bébé là? Ah si, peut-être. Oh, si, il est avec son bébé. En fait, il compte ramener toute sa famille au niveau de ma maison en fait. Oui, Oui. Il faut l'y empêcher. Ouais, bah oui, il faut l'empêcher. Vas-y, du coup, comment on pourrait le piéger? Tu m'as dit oui, on peut le piéger, mais comment on peut faire? Suis-moi, suis-moi. Ok, vas-y, je te suis. Ouais. Saute. Ah, bah attends, y a les jet skis, il y a les jet skis pour ça, non? Hop. Allez, les jet skis. Il y a les jet skis. Donc. Ah! Les jet skis. Attends, mais du coup, vous êtes en train de me dire que vous voulez partir du bateau et on rentre en jet ski? Non, c'est pas ça, bah, sinon ça n'aurait servi à rien de réparer le bateau. Bah oui, Et ton bébé, il a tout exactement. faire. Bah Il est oui. rentabilisé. Bah du coup, c'est quoi Alors, ta c'est quoi ta solution? chance? On va là-bas, et tu sais, les bloops peuvent un peu marcher sur la terre, mais ils sont pas très à l'aise. Ouais, parle un tout petit peu plus fort, Mario, parce que je t'entends un peu mal. Oui, tu vois, ils sont pas très à l'aise sur la terre. Ouais. Et ben, on a qu'à les enfermer là-bas. On les met par exemple dans une grotte dans laquelle on met un Oh, filet de pêche, et boum, ils sont bloqués à tout jamais. t'as raison, c'est vrai qu'on c'est pourrait pas faire un filet de bête. pêche. Mais attends, mais vu qu'ils peuvent pas marcher dans la terre, il va falloir le mettre juste en dessous du bateau. Et du coup, si on met un filet de pêche, est-ce qu'on a ça en fait à bord du bateau? Filet de Ben, je sais pas, c'est pas pêche. un bateau de pêche Attends, il y a un canon normalement. ici. Ah, là j'ai des petites toiles d'araignée, mais 4 toiles d'araignée, ça suffira pas. J'en ai Ça suffira pas, il plus. en faudrait au moins 20. Bah ouais, Venez. il en faudrait 20. Mais T'en as où est... combien, t'as des chips?
J'en ai que 4, mais où est-ce qu'on pourrait trouver l'étoile d'araignée, Mario? J'en ai pas. Mais on pourrait aller tuer des araignées dans les grottes. Oh oui, clairement. Ok, c'est une très bonne idée. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite récupérer les jet skis. On va y aller. Oula, ils sont où les boîtes de jerrycan? Ah, ils sont ici. Ok, super, j'ai une cinquième toile d'araignée, donc ça fait. C'est super. On va prendre les jet skis. On va y aller directement sur la petite île juste à côté. Et on va se faire un grand filet de pêche. Allez, c'est parti. Hop, je jette le bateau. Et je saute à l'intérieur. Ok, c'est parti, vous me suivez? Oui. Attends, comment tu as fait pour porter le bateau? Tu t'accroupis, tu le récupères et tu le jettes. Ah. Oh. Voilà. Oui, je vois. Parfait. Allez, tu peux monter à bord. Et c'est parti, venez. Faut pas qu'ils nous voient le bloop, ok? Hop. Ok, c'est parti. Vas-y, on se place ici. Ok, nickel. Bon, par contre, on reste groupé puisque je sais pas du tout ce qu'il y a dans cette île. Peut-être qu'il peut avoir des dinosaures, peut-être qu'il peut avoir des monstres. Donc il va falloir faire super attention, les mecs. T'inquiète pas, on est là et puis on a des champignons au cas où. Ok, vous avez une petite arme au cas où sur vous? Oui. Oui, j'ai ça. Ok, nickel. Bon, allez, suivez-moi, on va essayer d'y aller dans une grotte. Donc j'espère trouver une grotte pas loin d'ici, puisque j'ai pas trop envie de me balader dans une île où je sais pas ce qu'il peut avoir. Donc ici, pour l'instant, ça m'a l'air plutôt tranquille. Est-ce qu'on a une entrée d'une grotte là? Non, pas du tout. On va essayer de monter. Hop. Est-ce que vous voyez l'entrée d'une grotte par hasard? Ah, non, je crois vois ici rien j'ai... Doucement. Ah! Ici, il y a quelque chose! Ok. Tiens, doucement, doucement. C'est assez bien pour qu'on puisse enfermer le bloop là-dedans, non? Ouais, on va pas enfermer le bloop à l'intérieur, c'est impossible, il est trop lourd. Bah, faut faire un effort. Non mais non, on va prendre un fil, on va faire un filet de pêche, et on va le piéger dans le filet de pêche, et il pourra plus bouger, t'inquiète. Est-ce qu'on a besoin ouais, de mais fées? On va l'amener à la maison dans le filet de pêche. Il faudra le mettre quelque part, le filet de non, pêche. On va le laisser ici. Tout au fond de l'eau. Voilà, il sera bloqué. Ouais, alors juste ce qu'il faudrait. Attends, tu pourrais casser ça? Super. Hop. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est qu'il faudrait se faire des cisailles. Ou sinon. Attends, vous savez comment on fait des cisailles? Oui, il faut que je mette deux lingots de fer là, à côté de l'autre. Ah, ok. Bon, bah du coup, je vais récupérer ça. Hop. Donc là, pour l'instant, je vais me faire un peu de bois. Hop. Je vais récupérer de la pierre pour faire le four. Vas-y, ça marche. Mais oui. Ok. Mais on en a déjà. Au bâton. Hop, super. Je me fais les petits bâtons. Et je vais me faire ma petite pioche pour aller récupérer du fer. Oula, il manque juste un de bois. Tiens. Ok, allez, je transforme ça. Et je fais ma petite pioche en bois. Ok, j'ai ma petite pioche en bois. Super. Vous avez fait le four? Là, il est là. Ok, du coup, toi, vu que t'as récupéré le four, Luigi, tu récupères le charbon. Mais il est passé où, Luigi? Il est en train de creuser, là. Je récupère le fer. Ok, bah laisse-moi récupérer le fer, moi je m'occupe. Bah au pire, toi tu t'occupes du fer, moi je récupère le charbon. Oh, il y a du diamant, il y a du diamant. C'est... Non, ça c'est pas du diamant, c'est du faux diamant. Ah bon? Ouais. Ok, bon, je récupère le charbon et Luigi, toi tu récupères le fer. Pêche. Allez. Juste deux secondes. Moi je suis en train de récupérer le charbon. Hop, super. Allez, nickel. Vas-y, du coup, tu récupères le fer juste ici, là? Vas-y, on a. Voilà. Ok, super. On va mettre ça dans le four. Allez, let's go. C'est qui a mis du charbon ici? C'est moi qui avais miné. Ah, t'avais déjà miné? Oui. Ok. Bah, regarde ici. Ici, il y a du fer, là. C'est bon, tu les as récupérés? Oui. Ok, bah vas-y, passe-les-moi. Attends, je vais aller les mettre à couille. Ah, tu vas aller directement les mettre? Bah, vas-y, super. Vas-y, tu les mets à l'intérieur. Et Mario, toi, tu te chargeras de créer la cisaille parce que je sais vraiment pas faire de cisaille, ok? T'inquiète, je suis habile de mes mains. Ok, nickel. Vas-y. Bah, du coup, toi, Luigi, va voir au fond de la grotte s'il y a des toiles d'araignée. Ok. Ok, ça va. Ok, bon, pour l'instant, on fait un bon travail d'équipe. Est-ce qu'on a du fer? Donc, le fer va pas tarder à arriver. Ok, donc. Je vais juste vérifier que le bloop n'attaque pas le bateau. On va voir ce qu'il fait. Hop. Je vais essayer de me mettre ici pour voir si je vois le bloop. Ok, non. Le bloop, il est pas en dessous du bateau. Est-ce qu'on peut le voir, là? Non, je le vois toujours pas. Bon, ça va. Le bloop, il est pas du tout dans les parages. Ah, si, regardez, il est là. Je crois qu'il s'est approché du bateau. Et peut-être qu'il va tourner autour du bateau. Je sais pas du tout. Il était derrière le bateau. Regardez, là, il est là. Regarde, il est là. Ok, on va se cacher. Cache-toi. Reste caché. Cache. Ok. Oh, je le vois. Ok, je sais pas trop ce qu'il cherche. Oh, regardez, il y a même son fils. Ok, il est juste là. Bon, vas-y, faut qu'on se dépêche, viens.
Faut vite qu'on aille chercher. Je les ai craftés, ça y est. Oh, parfait, t'es le boss, Mario, t'es trop fort. Oh, vous êtes... Eh oui, je suis trop fort, merci, c'est pour ça qu'on m'appelle le héros du royaume. Si, oui. T'es là, j'en ai trouvé. Allez, vas-y, viens. Tu les as trouvés tout au fond? Ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, avec le fer qu'on a en plus, on pourrait se faire des épées et des armures. On va pas vraiment se battre, donc à la limite, on pourrait se faire une épée, au cas où. On sait jamais, ouais, au cas où on attaque le bateau, ou je sais pas. Merci. Allez, bah du coup je vais aller tout au fond et on va les récupérer tout de suite des toiles d'araignée. C'est où que tu les as trouvées? Bah regarde, attends, suis-moi. Allez, vas-y, je te suis. Hop. Fais attention ici, tu vas prendre des dégâts de shoot. Ouais. Attends, je mets une toile d'araignée ouais, ici. Super, je vais essayer de... Saute dedans. Parfait, nickel. Ouais, faudrait l'enlever. Hop, ça dégage. Ouais. Merci. Please. Attends, je suis tout au fond de la grotte. J'arrive, je te suis, Luigi. Ah, okay. Ici, il y en a, tu vois. Ok, parfait, nickel. Donc là, on en a 7, il en manque plus que 23 d'étoiles d'araignée là. Hop, ok, je récupère également celle-ci. Celle-ci aussi. Oh, regardez, oh, ici il y a plein de toiles d'araignée. Par contre, faut faire super attention, ça se trouve, il y aura des araignées et tout. Hein. Mais ouais, faut faire attention. Tu vois, ici on a encore. Ouais. Ici aussi. Nickel. Ah, je vous ai retrouvé. T'as une épée au cas où? Tiens, t'inquiète pas, j'ai une épée et une pièce d'armure. Luigi. Ouais, moi je prends la pièce d'armure et toi tu récupères l'épée. Regardez s'il n'y a pas des araignées ou des monstres. Tiens, vas-y, récupère ton épée. Non, je te laisse récupérer. Moi je m'occupe de casser ça. On a déjà une. Ah, vous en avez déjà une. Ok, bah je récupère au cas où. Hop, je la mets là. Ok. C'est tout ce qu'on avait malheureusement. Ok, bah vous partez devant et vous me dites s'il y a des araignées, ok? Ici il y a un trou. Ok, je récupère l'étoile d'araignée. Donc pour l'instant, on est à 18. Hop. Je suis à 20 toiles d'araignée, il en manque plus de 10. Ah, il y a des araignées! Ah, des araignées! Des araignées, vite, vite. Ah, des araignées! Vas-y, t'appelais! Ah! Vite, j'ai plus que 3 coeurs! Vas-y, butez-les! Aïe! Ah! Ok, bien joué. Tiens! Merci. Bon, on a réussi. Ok, nickel. Tiens, récupère un fil. Vous avez bien joué, bien joué, bien joué. Ici un fil, prends-le. Ouais, bah, récupérez-le. Il manque plus que 10 toiles d'araignée et on pourra faire le piège. Ah, trop bien. Ok, super, je récupère celui-là. On a raté ici. Une embuscade, il y a des araignées là-bas aussi. Ah oui. Ok, bah Mario et Luigi, occupez-vous de ça. Moi je m'occupe de casser l'étoile dernière. Aïe. Ah, y'a une araignée qui vient vers moi. Dégage d'ici, je suis bloqué dans le sable, les mecs, venez m'aider vite. J'arrive. Vite, il va me buter. C'est merci. C'est bon, on a réussi. On a une. Ok, c'est grâce au pouvoir de l'amitié. Ok, bien joué. Bon, je récupère ces deux dernières toiles d'araignée et vous avez quelque chose sur vous? T'en as raté ici, j'ai récupéré plein de fils. Ah, c'est bon là. Ok. Bah, du coup, il manque un dernier. Parce que là, j'en ai 29. Le dernier? Là, j'en ai. Il y en a un dernier ici. Ok, parfait. Hop, je la récupère. Nickel. Ok. Tiens, prends le bateau. Bon, du coup, je pense qu'on va pouvoir y aller vers le bateau. Allez, c'est parti. Maintenant qu'on a les 30 toiles d'araignée, attendez. Ok, les bloopies sont plus du tout là. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer ces toiles d'araignée juste en dessous et il va falloir les piéger, ok? Ok. Attends, Cheese, je vais te faire une potion pour que tu puisses rester sous l'eau pendant plus de temps. Ah oui, parce que c'est vrai que moi, j'ai pas beaucoup d'apnée. Hein. Hop, voilà mon kit de création de potion. Ok. De ouais, juste Mario, parle un peu plus fort parce que je t'entends vraiment très mal là. Pardon, mais c'est au cas où le bloop vient nous chercher, comme ça il nous entend pas. Oui, ok, non, mais il faudrait que je t'entende quand même. Je les ai placés, comment ça s'appelle? Quoi? Voilà. Ça là. Ok, vas-y. Ah, j'essaie de passer ça en dessous de l'eau. Attends. Ça n'a pas marché. Tu vas développer des branchies. Allez, merci beaucoup. Allez, vous venez avec moi? Oui. Allez, c'est parti. On en profite parce que les bloops ne sont pas là. Et on met des toiles d'araignée juste en dessous. Allez, hop. Allez, c'est parti. Ah oui, bon bah Eh mais Mario, pourquoi j'arrive pas à poser les toiles d'araignée? Mais c'est très simple, enfin, Cheese, tu es bête ou quoi? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, les toiles d'araignée, elles se détruisent dans l'eau. Ah, mais comment on pourrait faire alors? Je vais les enfoncer avec le reste de fer qu'on a récupéré dans la grotte. Donne-les-moi. Ok, bah attends, vas-y, viens. On va se placer directement ici. Et je te laisse faire ce que t'as à faire. J'espère que ton truc, il va fonctionner, hein. Mais oui, c'est 100% garanti, vu à la télé. Tiens, allez, vas-y, bah je vous laisse faire, Mario et Luigi. C'est vous les plombiers, c'est vous les meilleurs, donc je vous laisse vous en charger. Allez.
on va le faire à deux. Voilà. Bon, en attendant qu'il se charge de ça, les amis, vous avez une mission spéciale. Vous devez vous abonner, vous devez mettre un gros pouce bleu sous la vidéo. Vous mettez également un commentaire d'une idée de vidéo que je pourrais faire la prochaine fois. Et est-ce que vous avez terminé de faire ce qu'il y a à faire? Oui, oui, tiens, regarde. Montre. Voilà. Hop, c'est quoi, c'est ce truc-là? Oui, vas-y, monte dessus, tu vas voir. Mais... attends, mais si je monte dessus, il se passe quoi? Attends. On vient dessus. Il se passe rien. Mais essaie plus fort. Attends, essaie plus fort. Je monte comme ça? Mais oui, mais tu sais pas monter, voilà. Ah, mais... voilà. Mais c'est qui m'a enfermé? Et bah c'est le bloc, il a créé une cage tout autour de toi. Ah, mais c'est trop bien, en plus, elle est ultra solide. Bon, vous venez avec moi? Oui. Allez. Non, tu as vu la puissance de ces choses? Ouais, mais c'est... oui. Ouais, c'est vraiment un truc de ouf, hein. Allez, j'espère que ça fonctionne sous l'eau, hein. Ah mais oui, ça fonctionne. Allez, vas-y, on place ça où? Garantie, je l'ai vu chez le... On place ça ici? J'ai faim, je vais aller manger. Oui, vas-y, place ça. Vas-y, je place tout ça ici, hop. Voilà, ça va être le filet de pêche. Vas-y, hop, 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 hop. Ah, je te laisse continuer à placer parce que j'ai plus d'apnée. Ah, vite. T'inquiète, meurs pas. Oui, c'est bon. Parce que j'ai l'habitude de mourir à chaque fois. Hop, là, je crois que c'est bon. Attendez, je crois que j'entends un monstre arriver. Je crois que le bloop, il arrive. Comment on remonte? Monte sur le bateau. Ah, ils sont là, vite. Remontez vite sur le bateau. Luigi, remonte vite sur le bateau. Luigi, vite. Hop. Oh, regardez, il y a le bloop, il est là. Ok, il y a même son fils juste en dessous. Et oh, venez nous manger. C'est qui m'a piégé? Oh. Regarde, Marius, ils sont piégés. Ah, ils sont piégés, les bolos. Oh, ok. Oh, Luigi, on a réussi à piéger le bloop. Allez, bah alors, j'arrive. Ouais, attends, viens, on va aller le voir. On va se moquer d'eux. Vous êtes trop nul. Alors êtes trop nul. Oh, regardez, les amis, le bloop, il s'est fait piéger. Et il est où, ton fils? Attendez, il est où, son fils? Ah, il s'est piégé aussi. Je vois pas son fils. Il est piégé aussi. Il est là. Oh oui, regardez son... Ah, mais son fils aussi s'est fait piéger. Alors, Bloop, pourquoi tu nous suis depuis tout à l'heure? Je veux vous buter. Non, regarde-moi, je suis derrière toi. Ouais. Pour vous manger. Il voulait nous manger. Mais c'est un malade. Il est complètement malade. Parce que tu crois qu'on t'avait pas vu depuis tout à l'heure? Mais oui, j'étais pourtant super discret. Pour te dire, t'étais clairement pas discret, hein. Bon, du coup, tu vas rester bloqué ici à vie, et nous, on reprend le bateau et on rentre à la maison. Eh ben, vous verrez, si jamais je vous croise, je vous boufferai. Allez, oui, c'est ça, tu vas rien faire du tout. Bon, allez, on remonte tous sur le bateau et on s'en va, les mecs. Oui, enfin, j'en avais marre, tu dis, ça fait toute la semaine ici. Ah oui, quand même. Mais ouais. Ça fait très longtemps. Vas-y, je monte, je vais faire attention, au cas où. Attendez, juste, je récupère les jet skis, on les remet à bord du bateau, au cas où. Je crois qu'il me faut une échelle, quoique... Attendez, hop, on les remet à bord du bateau, nickel. Bon, allez Mario, c'est bon, tu peux recommencer à piloter, on se taille d'ici. C'était lui qui pilotait à la base.